Salut tout le monde, c'est Nana et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10 de notre Let's Play sur Neptunia. Alors la dernière fois, je vous ai dit que le boss de ce niveau était un peu fort, que donc il fallait que je farm avant. J'avais commencé le farm en fin d'épisode là-dedans, avant de me faire rétamer par le mini-boss de la zone. Donc entre temps j'ai continué de farmer un peu, pas grand chose, hein. J'ai pris deux niveaux, il me semble qu'on était au niveau 8 ou 10. Et donc eh ben, on va continuer. On y est. Alors, est-ce que c'est ici que le monstre va apparaître ? Mais bon, aucun monstre ne peut me battre. J'ai juste à claquer les doigts pour les défoncer. Hey, Aifi, compa, allez vite, venez. Non, quand ils font la traduction, ils compressent un peu, ils font les trucs moins longs. Nep, nep, attends, je suis si fatigué. Ah, avec Nep aussi excité, elle va perdre son enthousiasme, ou son punch, ouais. Parce qu'on en aura besoin. Mais qui a besoin d'une barre d'endurance de la dernière génération? On en a une infinie maintenant. Allons juste... wipe out, ouais, défoncer, ouais. Tuer tous les monstres de la zone. Et report back, bah, lui dira tiens. Ah putain, ça fait long. Un petit moment que j'ai pas fait de traduction là, c'est faut un peu le temps que ça revienne. Ah oui, donc ça explique que de manière totalement aléatoire, des monstres vont devenir plus puissants. Et ça c'est pour nous expliquer qu'il y a des mini-boss, des monstres dangereux, qui se baladent dans chaque zone. Hein. Le dernier épisode, c'est ce qu'on avait croisé et ça s'était très mal passé. Ok, donc d'abord on va reculer un peu la caméra. Pas reculer plus. Ok, c'est bon. Ok, donc je suis peut-être encore un peu juste, donc je vais sûrement faire quelques combats, pas tous. Je vais pas vider la zone. Ok, donc là j'ai juste un monstre, sans doute parce que c'est le seul endroit dans la zone où tu peux la voir. Normalement, si j'ai pris les quêtes. Là, un petit freeze. Ok, donc l'histoire explique. Histoire de parler durant un combat, expliquons la stratégie. Ma stratégie actuellement, c'est que Aishfi monte la barre de l'Exedrive. Compa, elle. Elle s'occupe de briser la garde et Nep, elle est le DPS. Elle fait beaucoup trop mal. Le but c'est toujours remplir la jauge. Histoire d'arriver au boss avec la jauge pleine. Histoire d'éventuellement gagner un niveau. Voilà, donc on va essayer d'esquiver au max. Ah, les décors, c'est pas le point fort du jeu, surtout qu'il y a tellement de recyclage, il y a tellement de donjons qui sont des copies collées littérales. Donc, hop,
Là, on a un autre mini-boss. On va essayer de se faufiler derrière pour choper le. Pour choper le petit coffre. Un pigment rose, ok. Et surtout, il y a des donjons où en fait ils changent juste deux trucs ou alors ils changent juste le point d'apparition. Franchement, là-dedans, il y a du recyclage à mort. Pour le moment, ça va, on a une petite diversité, beaucoup de color swap par contre. Voire même parfois, il n'y en a pas du tout, même pas de color swap, ils sont même pas chier. Hop, quand vous voyez Compa, elle fait quand même pas mal de garde. Et une fois que la garde est enlevée, Nep peut les finir. Compa, elle monte super vite la jauge. Ce qui est peut-être pas le plus utile en fait, parce que on a pas l'excès de drive. Qui est le combo le plus puissant du jeu, hein. C'est largement au-dessus de tout le reste. Mais je crois que aucun personnage ne l'a pour l'instant. La jauge n'est pas encore pleine, je croyais. Je suis mal calculé mon coup. Ok. Ouh, déjà. Non. Ah, c'est Evan, donc on va essayer de TP là avant. Juste un coffre. Ok, donc on va essayer de s'occuper de lui avant, histoire de remplir la jauge. Et j'ai un doute. Franchement, oulala. J'ai un doute, il nous manque peut-être un petit niveau. Donc à mon avis ça va sûrement être chaud pour le boss. Ah c'est bon, elle est pleine. Quand même un finish move à la fin de chaque tour, c'est pas négligeable. Il y a beaucoup de mi je crois. Peut-être ça le problème. Ah, je peux avoir les deux. On est à niveau 11. Ça régène les PV. Ah, peut-être que je vais faire un truc sur l'équipement. J'ai mis quoi? Soul. Attends, c'est le mauvais. Et voilà. Soul. Ah d'accord. Parce que j'ai combien de vie? Je vois, c'est peut-être ça le problème. Ok, donc je pense que si jamais j'arrive pas à la battre, je vais essayer de l'acheter un équipement qui augmente la vie. Mais bon, on va essayer. Ça peut passer, c'est pas impossible. La fille, attends, je suis si fatigué. Non mais attends, tu te moques de moi? Je croyais que t'avais une endurance infinie. Oui, peut-être, mais il y a trop de trous et de marches ici. J'ai mal au pied, je peux pas faire un pas de plus. Faisons une pause.
Ah, bon, on n'y peut rien. Faisons une pause ici. Enfin, une pause. Bon, puisqu'on fait une pause, mangeons un truc. J'ai du pudding! Je suis sûr que le pudding va être encore plus délicieux avec toute cette nature sauvage autour de nous. Attends une seconde, est-ce que c'est pas l'endroit où le monstre est censé apparaître? Hein? Est-ce que ce monstre avec pas de color swap en fait, ouais, pas de changement de couleur disons, oh, putain, je m'en mêle les mots. Enfin bref, je pense que vous avez compris l'idée. Ah, en effet, ça doit être lui. Mais voyons, tu crois sérieusement que je vais tomber dans le panneau? Nep, arrête d'être dans le déni. C'est le monstre qu'on doit abattre. Allez hop. Monsieur le monstre, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez attendre? On était en train de faire une pause là. Tout juste quand j'étais sur le point de manger ce délicieux pudding. Tu dois payer. Ressens la rage. Non, la rage. Non. Enfin bref. Ressens la douleur et l'agonie qui que tu décèdes. Mon effet dramatique. Voilà. Ressens la rage et l'agonie dont que tu mérites pour avoir gâché le temps de pudding. Ah, ça sonne pas très bien en français. Ah franchement, Nep Nep là, elle est sur les nerfs et c'est encore pire. Quand elle se transforme, ça a l'air encore pire. Eh bien, on dirait que tout ce qui est en relation avec le pudding, ça peut ça la booste, hein. Alors là, elle est ready, elle est prête. Par contre, pour moi, le pudding, bah, ça me requinque pas, hein. Je suis toujours fatigué. Et hey, compa, il file là! Arrêtez de parler! Moins de parlotte, plus de coups, allez hop! Bon, allez! Finissons-en rapidement et on se reposera après. Ok, alors un petit oiseau. Attends, comment tu veux prononcer le nom de ce truc? Rasverg? Putain, c'est quoi? On dirait un mélange scandinave russe. En fait, c'est la même chose, scandinave et russe. Enfin bref. Donc. Ouais, ça a l'air faisable. Ça dépend surtout de à quel point il va nous faire mal. Il a de la garde, lui. Bon, allez, on va pas lésiner sur les moyens.
dans le taux de miss. Ah, c'est encore son tour. Bon, bah, c'est con, on va faire. Je me rappelle même plus c'est quoi la stat qui augmente le taux de bah le taux de touche, ouais. Ok. Là, la gestion de la garde va être beaucoup plus importante que pour les autres monstres. Bah, on va quand même le refaire, ça coûte pas très cher. Surtout que comme elle s'est transformée durant le dialogue, ça n'a rien consommé. C'est pratique, c'est un petit cadeau qu'ils nous font. Ok, on a encore de la marge. Et voilà. Plus de garde, pile poil pour Orcanin un troisième. Ok, ça va, il fait pas si mal que ça. Tous ces miss, c'est peut-être parce que c'est un oiseau volant, il doit avoir une stat d'esquive plutôt haute. Ah, ouf, c'est bon, elle est brisée. Je vais bientôt tomber à court de SP, moi. Oula, un petit freeze. Il me semblait avoir tout fermé à côté, c'est bizarre. Alors. Ouais. Ouf, j'ai cru qu'il allait pas se briser. Et voilà. On XP 400. Bon, c'est pas si difficile. Bon, c'est un petit combat. Vraiment, c'était plutôt rapide grâce à toi, Nepnep. Ah, je suis venu aussi rapidement que je le pouvais, mais... Ah, je m'attendais pas à les trouver en plein combat. J'ai perdu le bon timing pour me montrer. Surtout que... J'ai couru jusqu'ici, mais maintenant que j'ai eu le temps de me calmer et de réfléchir calmement... Attaquer maintenant, ce serait un coup bas, c'est beaucoup trop... C'est pas moi, ça. Mais quand même... C'est normal que je me batte pour regagner ma position. Et puis, je peux pas continuer de perdre des shares. Je ne vais pas être capable de gagner la guerre des consoles comme ça. Mais combattre Neptune lorsqu'elle est comme ça, c'est pas comme ça que je fais. Ça ne donne pas une bonne image de DS. Et en plus, ça ne sera pas une victoire satisfaisante. Enfin, non, c'est pas l'honneur. Putain. Je laisse au bout de la langue, c'est... Voilà, ma fierté me laissera jamais. Bah, malheureusement, dans ma position actuelle, je pense que je n'ai pas d'autre choix.
けど、変身した猫子は私たちを飛んで運べば早く着くんじゃないかしら。Eh mais au fait, est-ce que ça n'aurait été pas plus rapide si Neb, si Neb en mode transformé nous aurait juste transporté ici en volant. Non. Y a pas moyen que je vous transporte toutes les deux. C'est plutôt fatigant, vous savez. Alors qu'est-ce que tu penses d'être notre taxi et que je te paye un pudding pour chaque trajet? Et en plus, je ne parle pas d'un pudding ordinaire, je parle du super pudding premium. Ah. C'est tentant, mais je dois refuser. Ah, c'est dommage, ça aurait été tellement facile si on avait juste si on devait juste voler au lieu de marcher. Ah. Bon, c'est fini. Change une balle. Je reviens à ma forme initiale. Ça ne sonne pas bien, c'est trop long. Enfin bref, je retourne à ma forme initiale. Attends une seconde. Ne te détransforme pas tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, Ifi? Tu sais, tu ne pourras pas m'acheter avec plus de pooling. Hein. Il y a quelqu'un derrière ces rochers là-bas. Nani. Je ne m'attendais pas à ce que vous le remarquiez. Bien joué. Ah, ça fait un bail qu'on s'était pas vu, Neptune. Je suis bête. Tu ne te souviens probablement pas de qui je suis. Aifi, est-ce qu'elle est? En effet, elle te ressemble quand t'es transformée. Cette forme et ses yeux, je pense qu'elle connaît des choses à propos de toi. En effet, je connais Neptune très bien. Vraiment? Alors, dis-moi, qui suis-je? Ah, quelle joie que tu me le demandes! Très bien, je vais te le dire. Vraiment? C'est bien, Nep-Nep, on a enfin rencontré quelqu'un qui te connaît. Mais c'est bien évidemment à une seule condition. Une condition? Laquelle? As-tu seulement besoin de demander? Il faut bien évidemment me battre! Alors. Ah, c'est je me souviens maintenant pourquoi c'était si dur. Parce que déjà, un, elle est forte, mais deux, on enchaîne les deux. Ok, priorité, se soigner. 1000, ça aurait été suffisant. Toi, tu as commencé à t'attaquer à ta garde. Bon, on va dépasser un peu, c'est pas grave. Ça va être chaud. Ça va être chaud. On va plutôt. C'est un truc que je fais rarement. Genre, moi, je suis pas trop d'item. Alors, il est où? Je dois en avoir quand même. Là.
Ça rend pas tant que ça au final. Bah, tout compte fait, c'est le taux de miss qu'il va falloir que je règle. Je fais ça. 0, 0. Ah, ça va être dur. On va essayer ça. Oh non, mais ça passe pas, hein. Bizarre, je me souviens des potes. Est-ce qu'il faut vraiment que je brise sa garde pour pouvoir lui faire des dégâts? Eh bah, ben, sa garde. Ah ouais, je lui fais des dégâts, là. C'est peut-être parce qu'elle était insensible au feu ou alors elle est insensible aux attaques spéciales. Ouh là là. 2500. Pour l'instant, on gère à peu près. C'est juste qu'on passe un peu trop de temps à se soigner. Faut vraiment que je regarde quel stat. Quel stat permet de parer ça parce que c'est pas possible là. Presque. Et on va faire ça. Ok, pile poil. Ok, oulala. Et toi, tu dois briser la garde. Et une fois qu'il s'est fait, un cross combiné. 4000. Ok, ça va. Ça fait un peu mal. J'ai un peu mal. Ah, mais je viens de la ressusciter. Ah, ça va, il nous manque pas grand chose. Faut juste que je sois un peu plus économe sur le premier. Que je nous soigne avant de la battre. Ok, donc c'est sur le premier qu'il va falloir que je sois un peu plus. Bon, vu le temps de vidéo, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Hein, donc j'ai. Pour la prochaine fois, il va falloir que je farme encore un niveau au moins. Que je recherche pour cette histoire de miss, parce qu'il y a beaucoup trop de miss. Et sur ce, bah, je vous dis à l'épisode prochain. Sur ce, bye!